tout le monde, c'est Cohen, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, comme d'habitude. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite routine qu'il faudrait aborder dans Animal Crossing, et en tout cas, ce que moi je fais quand je veux faire une petite routine, c'est les étapes que je fais. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Je rappelle quand même que les étapes que je veux faire dans ma routine sont très utiles au jeu, puisqu'elles permettent à votre île de se développer un peu plus rapidement, et à vous d'avoir plus de meubles dans le catalogue, etc. etc. Sans plus tarder, bah écoutez, je propose qu'on parte à l'aventure et qu'on y aille, quoi. Alors tout d'abord, bah, premier truc que je fais, c'est d'aller à ma petite boîte aux lettres et puis de regarder un peu ce qu'il y a. Là, je vois qu'il y a maman qui m'a envoyé une lettre, ça fait longtemps. Elle m'a pas envoyé de lettre, maman. Ça fait, oui, ça fait quand même un petit moment qu'elle est pas venue m'envoyer des trucs, maman. J'allais, tant qu'à faire, prendre la dernière rampe que je dois mettre ici. Comme ça, ce sera ok. Alors, on va dire faire un petit tour aux boutiques avant de commencer autre chose. Ouais, alors, petit tour à la boutique Nook, ça, je trouve ça assez important pour pouvoir voir les meubles qu'il y a, etc. Et voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient vous intéresser. Là, actuellement, moi, non. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Peut-être celle-ci, parce que je ne l'ai pas cataloguée, je crois, celle-là. Cette couleur-là. Ça me dit rien, en tout cas. Et je sais que si je dois m'en servir, ce sera en extérieur de toute façon. Et je vais prendre le petit bougeoir là argenté parce que je suis pas sûre de l'avoir. Comme ça c'est fait. Et j'ai regardé également avec les... Enfin pour les papiers peints et les sols, tant qu'à faire. Y a pas quelques... Oh celui-là il est beau. Oh, je crois que je l'ai pas le carrelage vert. Il est très beau je trouve. Et je vais regarder pour le reste. Le reste non, y a rien qui m'intéresse. Ce mur est trop beau mais je l'ai déjà acheté. Mais ouais, le reste est pas très très intéressant. On va faire un tour à la boutique, sans doute fait aussi. Hop, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas. Waouh, je vois qu'il y a des belles tenues là. Des très belles tenues. Non, là c'est trop, la tenue pyjama. Attendez, on va regarder, il y a quoi. Pareil, là en vrai, j'y vais souvent. C'est souvent un petit rituel que je fais quand je joue toute seule ou quoi, d'aller à la boutique de sans doute fait pour voir s'il n'y a pas des tenues que je pourrais m'acheter ou des nouvelles tenues que j'ai pas débloquées ou autres. Là en vrai, il n'y a pas grand chose encore. Hein. Le petit nez de cochon, oh non. Non, franchement, là il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. Ouais, non, là, il y a aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Ça arrive souvent quand même que j'ai déjà la moitié, enfin même là, tous les objets qu'il y a dans la boutique ou qui sont à mon goût, du moins, parce qu'il y a toujours des objets qui sont pas à mon goût. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant. Je vais aller faire le tour des plages pour voir si j'ai pas la petite bouteille qui traîne quelque part. Ce serait bien que je la récupère, que je la trouve et que j'apprenne le craft si je l'ai pas déjà. Et j'espère que c'est un craft que j'ai pas. En ce moment, toutes mes bouteilles sur les plages, j'ai l'impression que c'est des crafts que j'ai pas, donc c'est cool en vrai. Ça me permet de... Bah, d'améliorer et d'ajouter des trucs à ma liste en fait, tout simplement, des petits crafts. J'avais, avant la mise à jour, j'avais tous les crafts du jeu, tous sans exception. Et depuis la mise à jour, je galère un peu à me les refaire parce que je joue pas assez pour pouvoir en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Waouh, faudrait que je ramasse ça. J'ai pas non plus cherché le craft chez les habitants, etc. parce que j'ai tout le temps peur qu'ils me donnent des trucs que j'ai déjà. Donc en général, j'évite quand même. Je vais faire le ménage un peu là, qu'est-ce que c'est tout ce bazar là? Et pourquoi il y a un gyroïde ici? Ça n'a pas de sens. Alors par ici y a-t-il ma petite fleur, ma petite bouteille, ma petite fleur. Pourquoi j'ai dit fleur? Parce que j'ai vu des fleurs sûrement. Qui est perdu j'ai l'impression. Mur de pierre, ça je l'ai c'est sûr. Ouais c'était sûr je l'avais le mur de pierre. Bon alors en attendant j'ai quand même allé faire un petit tour pour aller voir Nookie. Parce que Nookie a quelque chose pour moi, c'est-à-dire qu'il a ma rampe en fait, que je dois placer. Donc j'aimerais bien qu'il me la donne quoi. Allez Tom Nook, donne-moi une rampe, j'ai besoin d'installer une petite rampe. Je vais prendre escalier en briques. Et on va aller la mettre donc, là où j'en ai besoin. Il me reste deux endroits où je dois mettre une rampe il me semble. Et du coup il me restera plus qu'un et j'aurai terminé de mettre toutes mes rampes et mes ponts. Il me semble que j'ai fait le tour de mes ponts en tout cas. Alors j'ai pas un truc à déplacer tant que je suis là. Qu'est-ce que j'ai à déplacer? Le camping, je ne sais pas du tout où placer encore, donc on va attendre. Parce que le camping, ça me laisse à... J'ai un doute. Alors, je rejoins la zone ici, je monte là, et là, je place ma petite rampe qui me manquait. Et je vais pouvoir la construire. Voilà, comme ça, c'est nickel. Ici, c'est parfait. Hop, comme ça, c'est tout bon. Et je vais pouvoir, du coup, tout simplement rembourser ma rampe. En ce moment, ma routine, c'est un petit peu ça, quand même. Faudrait que j'aille voir les habitants, parce que ça fait longtemps que je leur ai pas parlé, les pauvres. En tout cas, du moins, à ceux que je garde. Et Cédric, je vais lui reparler, peut-être. Peut-être qu'il a un truc à me dire, non? Encore toi, est-ce que ça te ferait plaisir? Alors je vais voir ce que j'ai dans mes poches à lui passer. Oh le petit pétaloïde, non? Ah oui c'est vrai, j'ai refait sa maison, celle de Pamela aussi. Et je crois que c'est tout pour l'instant ce que j'ai refait. Oh une petite boule à neige. Par contre, Cédric qui a un t-shirt Cédric. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, j'ai mis mon petit musée. Là j'ai un tout petit souci avec ce bord là parce que du coup là ça me pose problème. Je l'ai mal placé en fait le musée je pense. Je sais pas si je pouvais le mettre. Non je pouvais pas le mettre plus derrière en fait. Bon écoute ce sera comme ça, ce sera déjà pas mal. Enfin, je refasse la place entière. Bon alors pour continuer on va aller sur l'île d'Amiral. C'est un truc que je fais très rarement maintenant. Mais au début quand la mise à jour est sortie je le faisais tous les jours. J'allais sur son île et en fait j'allais juste récupérer les ressources. Et c'est ce que je vais faire là parce que je le fais pas. Et il faudrait que je le fasse parce que j'ai besoin des ressources qui sont sur les îles d'Amiral. Certes elles sont pas spécialement
vraiment intéressante, Cécile. Au départ, on pensait que ça allait vraiment être plus complet, et en fait, non, c'est juste ça. Bon, c'est quand même déjà un petit ajout qui est sympa, mais ça manque de quelque chose, ça manque de... Voilà, il y a un truc qui manque. Oh, génie la tulipe. Oh, c'est cool. Je vais récupérer quelques buissons, là, tant qu'à faire, parce que j'aime bien ceux-ci, ils sont jolis. Donc, tant que j'y suis, on en profite. Je vais récupérer celui-ci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant sur cette échelle? Je crois qu'il y a des bouteilles qui peuvent traîner. Il n'y a pas de truc pour monter, là? J'ai une échelle? Oui, j'ai une échelle. Ça, je me disais quand même, est-ce que j'ai pris une échelle? Bonne question. Mais ouais, c'est bon, j'ai tout pris. Est-ce que là, je peux sauter? Oui. Nickel, je récupère un petit buisson. Là, je vais pouvoir redescendre parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ici, alors, il y a peut-être la petite bouteille qui traîne un peu. Où es-tu, petite bouteille? Normalement, il y en a forcément une des bouteilles, si je dis pas de bêtises. Elle est où? Ah, elle est là. Normalement, sur les îles d'Amiral, il me semble qu'il y a toujours une bouteille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Robe poire. Ah ouais, mais c'est pour me passer des crafts que j'ai déjà. Je vais les reposer par terre, quoi. Oh, bisous, bye, les petits crafts. Allez, je récupère encore les deux buissons du haut. Hop, petite excursion buisson. En vrai, quand vous manquez d'arbres ou quand vous manquez de fleurs ou quoi, elles sont pas mal. Là, c'est une possibilité, les îles d'amiral aussi, de trouver d'autres fleurs que son type de base. Moi, en type de base, j'ai la lys et en fleur secondaire, j'ai la jacinthe. Là, vous voyez bien, je suis tombée sur des tulipes. Donc, vraiment, vous pouvez compléter vos fleurs et vos fruits. Comme ça, peut-être, je crois aussi les fruits. En fait, vous pouvez trouver tout ce qui vous manque quand vous n'avez pas online sur les îles d'amiral. Et ça, c'est cool parce que du coup, amiral, il sert à quelque chose pour ceux qui n'ont pas l'online et ça permet de continuer le jeu et de terminer certaines cartes de miles surtout qui sont intéressantes et qui permettent d'avoir pas mal de miles. Allez, c'est parti, amiral, on y va. Allez, maintenant qu'on a fait ça, je vais aller voir Maurice et je vais lui demander d'aller au travail, donc d'aller sur le DLC. Alors, pour ceux qui n'ont pas le DLC, en vrai, c'est pas grave. Pour ceux qui l'ont et qui reset leur île, ça, c'est la question qu'on me pose le plus. Si vous avez acheté le DLC et que vous voulez reset votre île, faites-le, il y aura... Pas de soucis, vous devrez juste recommencer le DLC. Et non, vous ne devrez pas le racheter une deuxième fois. Une fois que vous avez acheté un contenu, qu'il soit sur Animal Crossing, sur n'importe quel autre jeu, vous l'avez toujours, même si vous recommencez le jeu, il sera juste bah, reboot et recommencer quoi. Maurice, toujours plus long par contre. Hein. Alors, me voilà arrivé sur l'île du DLC. Alors, j'ai aussi fait beaucoup de choses. Alors, en stream, je vais vous montrer pour que vous compreniez un petit peu. En stream, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait de terminer le DLC et de faire tous les habitants? Donc de faire toutes les maisons de tous les habitants qui existent sur Animal Crossing, parce qu'on a quand même une bonne, un bon 400 des habitants, donc c'est quand même pas rien. Et il y en a quand même une bonne fripée quoi, une bonne ribambelle. Donc je suis en train de faire ça en fait, tout simplement, en train de faire les maisons. Mais quand je dis faire les maisons, c'est vraiment mettre les meubles qu'ils veulent eux de base, et c'est tout, et je pars en fait. Je mets vraiment même pas 2 minutes à faire une maison, et c'est assez rapide, mais c'est quand même assez long, avec les blabla de loup, quand tu viens t'asseoir sur la table et tu discutes, etc. Et en fait, en continuant le DLC, parce que je m'étais arrêtée aux 30 maisons, j'ai débloqué une nouvelle application, en fait. Et j'étais là en mode, mais comment ça je l'avais pas débloqué? Et je crois que c'est à partir des 40 maisons, qu'on débloque cette pièce là en fait, et tout simplement cette pièce que tu peux meubler comme tu veux, que tu peux tester en fait. Ça c'est une pièce de test, littéralement, et c'est tout. Et c'est incroyable parce que du coup ça va me donner la possibilité de faire plein de petits challenges. Donc je pense qu'après cette vidéo là je ferai des petits challenges de déco intérieur, du coup ça peut être cool. Si vous avez des idées d'ailleurs n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, hein. Ça peut toujours être sympa et toujours être cool à faire en vidéo. Mais voilà, en gros, petite astuce, 40 maisons je crois, il y a ça. Et après, surtout regardez, c'est incroyable. Tu te la mets, tu la tournes comme ça et tu peux la photographier mais en mode bien quoi. Et c'est incroyable. Elle est incroyable cette fausse pièce. Voilà, bref, petite aparté. Sur le DLC aussi, faites attention. Il y a souvent aussi une petite bouteille qui traîne. Donc n'hésitez pas à la récupérer, à la chercher et la récupérer quoi. Pareil, toutes les chitostégas, les lianes, etc. Ça rip-off en fait, ça repousse au bout de plusieurs jours. Donc n'hésitez pas à les ramasser aussi, parce que du coup ça revient, ça ne cesse de revenir. Donc quand vous voulez faire un petit peu de ménage comme ça, hop, quand vous avez besoin de lianes, de chitostega, vous venez ici, puis hop, vous les ramassez quoi. Et normalement tout est ok, puisqu'il y a la petite échelle ici qu'on va pas enlever, donc qui permet de monter à l'étage. Et normalement quand on monte au-dessus, à l'étage du dessus, il n'y a pas besoin de monter plus haut, et en plus on peut traverser la rivière avec les petits trucs à sauter juste ici là. Donc en vrai c'est hyper pratique et c'est hyper cool. Vraiment toutes ces lianes que j'en ai plus chez moi, bah je vais en récupérer. Je sais pas si c'est tous les combien de temps que ça repousse, mais ça met un peu de temps à pousser, mais je pense que ça doit être une bonne une ou deux lianes par jour avec plusieurs chitostegas, je pense. Waouh. Mais attendez, mais là c'est trop mimi ce qui se passe. Ils sont incroyables mes habitants. Je vais faire une petite photo, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop chaudes. Elles sont trop mimi dans l'eau comme ça. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le festival. Et là aussi, pareil, pour ceux qui ont le DLC, pensez à parler à vos habitants et aux,
aux infrastructures que vous avez faites, parce qu'en fait les habitants vont vous donner des sols, des tapis, des murs que vous avez utilisés chez eux. Donc en particulier c'est intéressant de faire des décos chez eux, donc chez beaucoup d'habitants, pour en avoir le plus possible qui vous donnent des trucs. Là par exemple ils me donnent rien ceux-là, mais il y en a d'autres qui vont m'en donner, je vais faire le tour, on va voir ensemble. En vrai c'est super intéressant. Je pense qu'ils me parlent tous du festival, donc je sais pas s'ils vont me passer des objets. Vu que c'est un jour particulier. Puis c'est une des premières maisons que j'ai fait aussi là. Parce que du coup tu peux t'accrocher chez eux, tu peux leur parler, tu peux faire plein de trucs en vrai. Je vais faire le tour, je crois qu'il y a encore d'autres habitants qui sont un peu partout là. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui te donnent des objets. Et je regarde. Mais je sais pas s'ils t'en donnent pendant le jour du festival justement. Waouh, le monde ici! Ah oui, parce que du coup j'ai aussi débloqué l'étage du café. Je savais pas qu'il y avait un étage. Et bah j'ai débloqué l'étage et du coup on a fait une magnifique décoration avec le stream. Regardez mes belles décos. Vous en pensez quoi? Moi ouais, j'adore franchement. Par contre, waouh. J'ai mal aux yeux là, j'ai mal aux yeux. Le seul objet d'exposition, en fait c'est une salle d'expo en haut à l'étage. Et en fait on a fait une vieille poubelle en exposition là, ça n'a pas de sens. Donc au café il n'y a pas grand chose par contre, dans la cuisine, donc dans le magasin et dans le resto, donc on va au magasin. En fait le magasin, les petites, petits présentoirs que vous avez mis normalement, que vous avez fait le magasin, c'est des présentoirs qui vendent des habits. En fait, et du coup vous pouvez acheter les habits qu'il y a en vente. Ici c'est un peu un deuxième sort d'atelier en soi, la petite boutique. Voilà par exemple j'ai une jupe et un petit pantalon cargo que je vais acheter, parce que je l'ai pas celui-là je crois. Mais c'est un Poki, donc c'est une autre monnaie, j'en ai 600 000 des Poki, c'est abusé. Ah il y a Blair, mon dieu. Et là il y a les petits chapeaux, et vu que c'est la... Ah oui, vu que c'est la saison des... Vu que c'est le moment des festivals, enfin du festival, et ben du coup je peux acheter ça pour m'habiller pour le festival. Donc c'est la bonne journée. Et tous les jours ça change ça, donc c'est cool. Et je rappelle quand même que vous pouvez remodifier les infrastructures en allant parler à Lou et en lui demandant de, bah, de refaire les infrastructures tout simplement. Et là normalement dans la cuisine, donc dans le petit restaurant à côté, quand on va parler au cuisinier, il nous donne une recette de cuisine. Et sachant que les recettes de cuisine il y en a beaucoup, donc c'est bien, ouais, c'est intéressant de les ramasser tous les jours. Donc là faut que je parle à Roscoe qui est le cuisinier en chef. Je lui demande ce qu'il est en train de préparer et il va me donner une tarte feuilletée au poire. Waouh, j'ai envie de manger ça. Avec plaisir. Ah mais j'ai plus de place, mince. Bon bah tant pis, mais normalement il donne un petit plan de craft etc et c'est hyper intéressant. Et il y a aussi chez le docteur, en fonction des dialogues que vous faites, il peut vous donner un plâtre pour la jambe, il peut vous donner des petits sparadraps, je crois, le petit truc à mettre dans le nez, un truc pour la tête. Il peut vous donner plein de bandages en fait, tout simplement, votre docteur. Donc ça c'est cool, en vrai les bâtiments ils servent à quelque chose. Et il y a le prof, je crois, qui donne des pousses de frangipanier dans l'école, il me semble. Enfin, ça dépend, il y a qui dans l'école, etc. Mais en tout cas, voilà, ça c'est cool. Et je vais aller sur l'île de jeu pour terminer, parce que bon, voilà, je fais le tour des petites îles, en vrai, c'est super cool. L'île de jeu, en vrai, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Parce que c'est là où, en fait, les. Comment ça s'appelle? Les objets changent. En fait, ils changent tous les lundis, c'est une nouveauté de la semaine, en fait. Et il y a toute une semaine, il y a tous les habitants, enfin, tous les personnages spéciaux au camping de Joe, là, au village de Joe. Et en fait ils vous vendent des trucs, le même truc toute la semaine et chaque semaine ça change. Ouais, c'est vachement cool. Alors il y a qui là? Il y a Astrid. Astrid elle est sympa, il y a Sarah qui est chez moi. Je vais regarder ce que vend Racine en soi. Ah c'est la période des azalées, c'est cool. Montre-moi ta marchandise. Ok, bon j'ai déjà acheté des pousses comme ça il y a pas longtemps. En vrai je vais donner mes trucs à Tortimer parce que j'ai trop de trucs. Tortimer il sert d'entrepôt donc c'est bien parce que du coup ça te... Tu peux lui donner des trucs et il le met dans ton entrepôt. Je vais te déposer des objets s'il te plaît parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà, comme ça je dépose tout. J'ai quand même fait du tri dans mon entrepôt, hein. J'étais à 5000, je suis passée à 3600. J'ai quand même enlevé beaucoup de meubles. Hein. Ensuite on a Runar. Runar, qu'est-ce qu'il nous vend? Le monsieur tout nu, ouais. J'ai pas trop envie de te parler Runar par contre, j'ai bien envie de voir ce que toi tu vends Blaise. Blaise j'adore, en vrai je pense que c'est mon crush un peu Blaise. Ouais, un jetpack, stylé. Il est mignon lui le petit cabas là. Mais je mets jamais les objets comme ça en vrai. Je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait pas mis en tant que sac. Parce que là du coup c'est vraiment à tenir dans la main et ça te prend un emplacement dans ton inventaire pour rien et... Je suis un peu déçue de ces sacs qu'on tient à la main. J'aurais préféré qu'ils les mettent en tant que sac classique. Parce que là, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux rien en faire de ce sac-là. Mis à part me la péter comme ça, je peux rien faire d'autre. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Est-ce que je peux pas commander mes 5 objets du jour tant qu'à faire, tant que j'y suis? Ah, regardez, j'ai un donjon ici. Voilà, enfin, je peux vous montrer. À chaque fois que je vous montre, j'ai pas le truc. Donc là, voyez justement, là, c'est le bon exemple. Là, il y a le donjon dans mon Nookstop que j'ai. Donc, c'est l'application que j'ai débloquée en achetant plus de 100 objets à la borne Nook dans la mairie, en fait, tout simplement, dans le bureau des résidents. Vous les débloquez au bout de 100. Et en fait, vous avez les articles spéciaux et vous pouvez avoir les murs de château et les murailles de château et les murs médiévaux, ainsi que les donjons, du coup, dans ce petit truc. Et en général, voilà, ils apparaissent une fois tous les je sais pas combien de temps et c'est pas non plus tous les jours. Mais voilà, vérifiez ce qui est pas un truc sympa en troisième objet. Qu'est-ce que je peux récupérer là, de là-dedans? Pas grand-chose, hein. Peut-être récupérer ça, j'en ai besoin peut-être de un ou deux de ça, pour mes cafés.
Ça va, c'est pas non plus trop cute, donc ça passe. Ça aussi, les plateaux. Ils sont mignons, ceux-là. J'en ai pas beaucoup, même pas du tout. Je vais racheter ça, j'en ai plus, je crois. Un petit chariot, et voilà, j'ai acheté mes 5 objets du jour. Et sur ce, écoutez, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai fait ma petite routine, il me semble pas avoir oublié grand-chose. Mis à part le fait que je récupère pas mes matériaux, parce que j'en ai déjà beaucoup, beaucoup, et que j'essaye d'économiser au max ma place dans mon entrepôt. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, on est en route vers les 100 000 abonnés, c'est incroyable. Donc merci à tous pour votre soutien quotidien. Sur ce, je vous fais d'énormes gros 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 bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.